Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre semaine se passe bien. On se retrouve en compagnie de mon petit Juju. Comment tu vas, mon poteau? Bah écoute, moi ça va pas mal, merci Ced, et toi? Ça va bien. On est en train de faire des tests et des essais micro parce qu'effectivement on a des échos, on a C'est la guerre. le retour du tuyau, c'est la guerre du monde. Des fois on ne s'entend pas sur Discord, en fait, on parle, mais on ne s'entend pas. Là ça a l'air pas mal. Donc on Pour se l'instant, on est retrouve pas mal. sur la pro. Et là, c'est pas mal, hein. Là, ça a l'air pas mal, ça a l'air de tenir. On se retrouve donc sur la map, bien sûr, la bombe, tout simplement. On avait envie de changer de map avec Juju, donc on s'est fait plaisir. On se trouve un petit peu à l'étroit sur l'autre, tout simplement, mais on va vous expliquer, on va leur expliquer ça, bien sûr, tout au long de l'épisode. Tout à fait. Comme vous avez pu vous en rendre compte, vous nous voyez tous les deux. Et ça, c'est une révolution dans nos séries. Voilà, on l'avait jamais fait tous les deux. Enfin, moi, je l'avais jamais fait. Non, non. Donc, on avait envie de vous faire plaisir. Voilà, sur le même épisode, vous aurez nos deux bouilles, tout simplement. J'ai envie de dire, voilà. Donc, on vous montre. Ça aurait été l'intro la plus improbable du monde, je crois, mais C'est c'est pas vrai. grave. C'est Et ça qui est la bon. plus longue du monde aussi. La plus longue du monde aussi. On vous montre, bien sûr, et on vous explique tout ce que l'on va faire juste après l'intro, les amis. À tout de suite. À tout de suite. I got broads in Atlanta, just to be in the family, credit cards in the scammers, hitting the licks. Eh bien, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est vrai qu'on est voisins avec Juju et C'est du ça. coup, on ne sait pas quand est-ce qu'il faut qu'on rec ou pas ensemble en même temps. C'est compliqué, mais on va y arriver, ne vous inquiétez pas. Donc voilà la petite évolution, voilà, Découpé j'espère que comme ça vous ça. plaira les amis. On vous voit, ouais, c'est le clap de fin, mais je l'ai le clap là. Je peux le faire en plus, hein, clap, clac. Donc j'espère que tu vas bien, mon poteau. Je suis très très heureux de faire ce deuxième épisode avec toi. Bah pareil, c'est vrai qu'on avait pris déjà beaucoup de plaisir sur le premier épisode sur la map la baie Beugeoise, mais La bœuf. on était un petit peu à l'étroit, donc c'est vrai qu'on aimait bien la map de Thomas, mais on aura Voilà. plus facile bah, à manœuvrer à deux sur ces cordes fermes-là en tout cas quoi. Voilà, et on a donc modifié un petit peu. Donc, Juju, t'as pris un Blue Power en T6, et moi j'ai pris un T6 en Tout à fait. 165 chevaux en classique. Je vous montre, les amis, on vous montre, ils sont là. Donc, on va faire du labour et du semi aujourd'hui au programme. Vous aurez vu ça, bien sûr, dans la petite intro que je vous aurais préparée. La miniature, comme on a dit avec Juju, on met la même miniature. Donc là, je vais le suivre pour aller au champ parce que je ne connais pas du tout la map. Donc, je vais le suivre. Donc, on a mis la sous-soleuse. Pour une question de rapidité comment dirais-je, de simplicité, c'est pas vraiment une charrue, mais c'est une sous-soleuse, c'est un peu pareil. Donc moi, Juju, il est en train de regarder, on a mis un semoir, voilà, en 6 mètres. Je me fais rentrer dedans, je me fais Ouais, mais percuter. j'ai eu un moment de lag. Je me suis fait percuter la masse avant. Ah là là, on est bien. Tu vois Je qu'il la me suis déroule ce retrouvé. mois. Oui, le semoir a des roues. Moi, tout à l'heure, il n'avait pas de roues, mais c'est pas grave. En tout cas, voilà, merci à vous pour les retours pour le premier épisode. J'espère que le fait de changer de map, ça vous posera pas de problème. Nous, on se sentait mieux sur celle-là. Et puis, on a envie aussi, bien sûr, de faire une série et de se sentir bien sur la série. Donc, forcément, c'est pour ça aussi qu'on a changé de map. Voilà. Et puis, comme disait Juju, on était vraiment à l'étroit sur l'autre. Même si ils ont fait un travail formidable sur la Beuvejoise, moi, je préfère largement celle-là. Et mon Juju aussi. Et on vous a pris une moissonneuse, les amis, qui se nivelle et tout. Donc, vous aurez vraiment l'occasion, avec le dénivelé, les pentes qu'il y a, de voir, bien sûr, la machine en action. Et voilà. Donc, on vous rappelle qu'on a le mode saison. Tout à fait.
Voilà, donc mode saison, qui dit mode saison, là, mon Juju, il va semer de l'orge, parce que on est obligé de se tenir, je dirais, au mode saison, hein, on n'a pas le choix. Donc voilà. Parce qu'il vaut, ce qu'il a dans le ventre, ce T6, en 165 chevaux, ça devrait le faire, bien évidemment. Donc j'espère que les double cam, la double cam va vous plaire, les amis. C'est quelque chose qu'on n'a jamais fait avec, donc on n'a jamais fait. Donc nous, ça nous fait plaisir. Alors c'est des manipulations, hein, mon Juju, en plus qu'il faut faire en plus. C'est clair. Il risque d'y avoir des petits lags. Je suis désolé, que ce soit sur les caméras, peut-être voilà, micro, on verra, mais il risque d'y avoir des petits lags. On verra au montage donc la vidéo. La vidéo sortira bien sûr demain, mardi en avant-première, ça vous le saurez bien assez tôt. Donc 17h et 17h30, voilà, pour qu'on soit avec vous, tout simplement sur le chat, et discuter bien sûr avec vous, voilà. Simplement quoi, j'ai envie de dire. Tout à fait. Voilà. Donc petite précision, cette énorme parcelle a été coupée en deux quand même, parce que vu le matos qu'on a, on ne se voyait pas de tout faire en 4 mètres ou même 6 mètres. Donc elle a été coupée en deux. On la rassemblera peut-être plus tard quand on aura du matériel un peu plus conséquent. Voilà. Ah, c'était juste pas possible. 2 hectares 90, je crois, ou un truc comme ça, c'était juste pas jouable. Ouais. 2 hectares 90, c'est énorme. Ça paraît pas comme ça, mais quand on joue à farming, c'est énorme. Et puis, comme l'a dit Juju lors du premier épisode, si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller le voir. Nous, on travaille bien sûr derrière sur les séries pour pouvoir les avancer, et on n'a pas envie de se casser la tête non plus. On n'a pas envie de se casser la tête. Et puis, Juju a magnifiquement coupé les deux parcelles, ce qui permettra d'avoir un champ un peu plus grand et en double, et de faire deux cultures différentes, bien évidemment, sur le champ. Je ne sais plus, mon Juju, mais tu vas me le dire. Est-ce qu'il y a des cultures en plus sur cette map? Je crois que oui, mais je ne suis pas sûr. Oui, il y a luzerne, millet, chanvre, seigle et trèfle. Donc bien évidemment, quand on regardera par rapport au mode saison sous 3 jours, de vous proposer bien sûr une diversité, je dirais, de cultures et de semis, bien évidemment, et d'activités. Donc on pourra vraiment semer de tout et voilà. On aura donc les vaches, on l'avait dit. On aura sûrement les moutons et les poulets. Les poules. Les poulets qu'on a déjà d'ailleurs. Les qu'on a déjà d'ailleurs, voilà, exactement. Et je sais pas si t'as vu, j'ai fait une petite aire pour le matériel. Oui, j'ai vu. Génial. Pour le fumier. Ouais, voilà, exactement, mais c'est ça qui est cool. Donc on a repris exactement le même matériel qu'on avait sur l'épisode 1, on va dire. Voilà. Juste et, le T5 qu'on a échangé. Voilà, on a échangé un petit peu de matos entre guillemets par rapport au T5, T6. C'est vrai que le T5, on s'était dit en ayant le JCB, le Manitou, ça nous servait à rien du coup d'avoir un T5 parce que il n'allait pas faire des activités comme s'il aurait pu, ce qu'il aurait pu faire sur l'autre map en fait. Ça que je veux dire, voilà. Et là, on avait besoin de deux gros tracteurs entre guillemets. Ne vous inquiétez pas, on évoluera, on changera, on fera peut-être des petits sondages sur la future marque des tracteurs que vous voudriez qu'on prenne, bien évidemment. Voilà, donc tous les mardis, rendez-vous tous les mardis maintenant, voilà, je dirais sur la série. Et moi, Juju, il va me pousser. Oh non, j'attends, je suis passionné. Alors, tu prends des risques en ayant semé sans blesser d'avance, parce que du coup... Ouais, tu vas rapper. Je vais rapper, je pense. Hein, non, je vais tenter de pas rapper. Donc on va tenter de pas rapper. Ah, on va essayer de faire ça bien, voilà, propre. Si tu rapes sur 5 cm, je t'en voudrais pas. Si tu marches la moitié de la ligne, un peu plus chiant. Prendre la monnaie. Bien, hein, bon. J'ai perdu Céd, aussi bien au niveau du son que de l'image. J'ai perdu du serveur même. Ça sent la crashbox. Et re, les amis, voilà, j'ai eu une coupure. Bon, mais j'ai retrouvé mon Juju quand même. Les aléas du métier, il était parti au Bangladesh, quelque part par là, je pense. Voilà, exactement. J'étais parti là où il fallait pas partir en fait. Bien sûr, je me suis arrêté à temps. Oh là là, vous avez vu, voilà, et c'est aussi le plaisir, d'être tous les deux, de travailler dans le même champ et dans la joie et la bonne humeur, hein, tout simplement, voilà. Tout à fait.
Donc là, J'avais un doute sur le fait que j'avais sélectionné l'orge, mais non, c'est bon. Oui, oui, bah, oui, bah écoute, de toute façon, ça poussera pas, hein, si tu nous sèmes autre chose. Hein. Bah non, non, mais c'est ma spécialité, ça. Genre, je mets du blé, je m'aperçois après que c'est pas le bon moment. C'est ça, ça peut arriver des fois aussi, ouais. Effectivement. Hein. Que tu t'en rends compte quand t'as fini, en général. Oui, en général, on s'en rend compte voilà, quand on a fini et c'est pas très bon. Voilà. Du coup, je vous ai relaissé la... Enfin, j'ai laissé la TH, les amis, du coup. Voilà, j'ai pas enlevé la TH parce que du coup, ben, vous avez vu que j'ai planté, donc voilà. Et mon tracteur, ce qui est bizarre, c'est que mon tracteur roulait tout seul. Hein, fabuleux, quand même. Pendant un moment, ouais, puis après, il s'est arrêté. D'ailleurs, je paniquais un peu parce qu'il y a un peu la rivière de l'autre côté. Oui, c'est pas faux. C'est pas faux. Et t'as vu qu'il a roulé bien droit quand même, hein. Je veux dire, ah ça, oui, c'est spécial oui. New Yorkland. Hein. Ah, tout à fait. Il ouais. n'y a pas de souci. En New Yorkland, tu peux travailler bourré, ça passe bien. Exactement. Rouler bourré, mais rouler droit. C'est ça. Donc, je crois que tu vas me pousser bientôt. Mais je vais faire des longes après, mon ami. Ouais. Ça, au moins. Ah, c'est les montées, des... ça pique. Ouais, ça pique un peu. 7 km/h. Ah, j'avoue. J'avoue que ça pique un peu. Mais tu triches aussi, t'as pris un 180 chevaux et on aurait dû faire l'inverse en fait. Bah... Mettre le Blue Power à la sousse-laise et... Je triche pas, c'est toi qui as voulu le prendre en 165 celui-là. Oui, mais c'est pas faux. Mais je me suis dit que c'était... Bon, voilà, ça suffisait quoi, tu vois, voilà. Bon, pas grave. Oui, ça suffit, c'est pour ça que le mien je l'ai pris en 180 quoi. Oui, mais tu vois large toi, tu vois grand. Ben, voilà. Ouais. C'est ça. Mais il faut des fois, mais... Ben oui. Mais pas tout le temps, quand même. Mais pas tout le temps, quand même. Hein. C'est... Voilà. Enfin, en tout cas, voilà, j'espère que vous allez bien de votre côté, les amis. J'espère que ce petit épisode vous plaira à nouveau. Et bien sûr, n'hésitez pas voilà, à mettre un gros pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner aux deux chaînes. Et on vous en remercie, bien sûr, d'avance. Voilà. Je vais tout droit. Notre présence. Oui. Dis-moi. Je vais tout droit. Hein. Vas-y. Vas-y, ouais. Vas-y, mais vas-y. Hein. Mais j'y vais. Vas-y, je ferme les yeux. Oui, ferme les yeux. Attends, je vais rouler à 17 km/h en descente. C'est mieux quand même. Hein. Ah, il y a moyen de pousser avant, je crois, avec, oui. avec la sous-soleuse. Oui, oui, il y a moyen. Il y a moyen, mais... Mais bon. Je le ferai pas, mais il y a moyen. Il y a moyen, quand même. C'est vrai que c'est en descente, ça va, c'est plus rigolo, quoi. Ah bah oui. Voilà. Je peux couper le moteur, voilà. En plus, ça économise le gasoil, c'est bien. Exactement, ouais. Bon, c'est tout la Deep Blue, quoi, tu vois. Oui, c'est cher, la Deep Blue. Hop là. Oh là là. Vous avez vu ça un peu, les amis. Voilà. Donc, du coup... Fais coucou à la péniche. Oui, la péniche. Eh oui. Parce que là, il n'y a du pas coup, le train. Par contre, il y a les péniches. On va rigoler. On va rigoler lors du live de lundi. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais n'hésitez pas à voir la rediff. On a lancé un défi à tout le monde, en fait, à tous les modérateurs et à la Farming Family. Et, on verra si Zero passe ou pas. C'est avec plaisir s'il passe. On lui passe le bonjour. Un ramassage de bottes en live. C'est, alors, il y en a qui sont ravis, d'autres beaucoup moins. Il y en a qui sont moins chauds. Il y en a qui sont chauds et d'autres moins. Voilà. Donc, voilà. Mais ça sera le. Je dirais que ce sera le dernier live sur cette map Ellergrade qu'on a bien kiffé. On partira vers d'autres aventures, ne vous inquiétez pas sur d'autres maps. Et voilà, ne vous inquiétez pas, on vous prévoit des choses à la rentrée qui sont sympathiques aussi. Mais toujours dans la joie et la bonne humeur. Mais là, ça peut être, je pense, un live phénoménal. Et ramassage de bottes, j'ai hâte de voir mon petit Juju et mon petit Jérémy ramasser les bottes. Ça, je crois que ça va être un grand moment, rien que pour ça. Jérémy, ça améliorait. Moi, pas du tout. Oui. Ah mais tu as une semaine pour t'entraîner, mon poteau. Ouais. La semaine, elle va être courte. Elle va être courte, oui, ta semaine. Mais c'est pas grave, écoute. Ah. C'est ça qui est bon. Ah, tout à fait, oui. Hop là, je m'arrête. Hein. Vous avez vu, les amis, Hein. Vous êtes quand même doués pour avoir de sacrées idées à la con, hein, les mecs. Ouais, je sais pas comment vous faites, mais... Je sais pas, figure-toi, ça fleurit. C'est... Ça a plutôt tendance à pousser, ça, hein, plutôt que des idées intelligentes, tu vois. Mais c'est à cause de Greg et de Seb du Nord qui a froid. Parce que Greg, je suis passé sur son petit live et il était en train de charger des bottes et j'ai dit, je t'apprendrai à charger des bottes. Et c'est parti de là, en fait. Du coup, voilà. Mais on va faire ça dans la joie et la bonne humeur, les amis, ne vous inquiétez pas. Comme à notre habitude, de toute façon, on va pas.
on va pas chier, on va pas tortiller du cul pour chier droit. Hein. Juste accélérer le temps un petit peu, par contre. Oui, si tu veux. On peut rester en x5, c'est pas x5, ouais. x15. Ça peut être pas mal. Là, on est en x1, donc saison en x1. Ouais. Non, on va rester en x5, ça passera beaucoup plus vite. Voilà, donc du coup, ça passera quand même beaucoup plus vite. Et voilà. Hop là, attention, faut pas que je déborde parce que sinon, voilà. Coup de trick. On vous propose. On vous propose voilà, deux activités pour cet épisode parce qu'on attaque vraiment la série. Donc du coup, c'est deux activités en lien avec l'attaque de la série. Bien évidemment, on sème de l'orge. Il nous en faudra pour les poules. On en vendra si on en a trop. Combien t'as mis de poules, mon Juju? J'ai pas vu. 4 palettes. Bon. 4 palettes. je ne sais même plus si je les ai remises. Il y en a 35. Il y a 35 poules. Ça pèse pas lourd les poules, alors en 4 palettes. En même temps, c'est un tout petit poulailler, tu peux en mettre que 35. Hein. Bon. On n'est pas prêt d'avoir des œufs. Hein. On vous mettra, voilà, on mettra des moutons, ne vous inquiétez pas. Donc, série, bien sûr, on l'a dit, on le redit, no cheat. Mode saison, voilà, pour vous rappeler un petit peu le concept. Et on essaie de jouer assez réaliste. Voilà, vue extérieure, vue intérieure, on s'en fout, c'est pas, ça c'est un détail. On fera de la vue intérieure, on fera de la vue extérieure. Des activités qu'on préfère faire en vue intérieure et d'autres en vue extérieure, bien évidemment, c'est logique. Tout à fait. Et on fera pas des épisodes de 40 minutes, ne vous inquiétez pas non plus. On fera des lives quand on pourra. Quel dommage. N'est-ce pas ? Oui, quel dommage, mon petit Juju. On fera des lives le week-end, ne vous inquiétez pas. Voilà, le week-end prochain, on peut pas. À partir du week-end d'après, on pourra faire des lives. Mon petit Juju, il a le... Et d'ailleurs, j'espère qu'on pourra mettre... Alors, là, c'est la connexion qui risque de bugger. Par rapport à la double cam, je suis pas sûr que ça tienne la connexion. Parce qu'on a de très petites connexions. Ouais, le débit. Ouais. On a de très petites connexions. Déjà, je me demande comment on arrive à tenir là. Donc, bah, c'est sur le fil, hein, là. Ouais, ça a déjà planté une fois. Donc, c'est ça. On est sur le film, non, mais on fera le test et puis voilà. Si ça passe pas en double cam, pas grave, on gardera la double cam pour les vidéos et voilà. Et vous aurez bien évidemment live sur les deux chaînes, donc vous aurez le plaisir de regarder une chaîne et l'autre. Donc voilà quoi, tout simplement. Oui, tu peux faire des lives sur ta chaîne, mon poteau. Je vais toujours pas tester ma Coca 4G, mais on verra. Voilà, en fonction de la Coca 4G, bien évidemment, en général ça fonctionne bien, donc ouais. Donc voilà. Bon, 4G, je capte au max, donc ça devrait pouvoir le faire. Faut juste que je fasse le test quand même pour m'en assurer, mais on va pas y avoir de problème. Des fois, c'est même mieux que la fibre, hein. C'est vrai. C'est la Midland F16, oui, qui live souvent en 4G. En 4G, ouais, parce que ça passe. Putain, il a une petite connexion. Et c'est... Alors là, mon poteau, là, je suis désolé, mais. Quoi donc ? Ouais, tu vas mordre, oui. Je vais mordu, quoi. Oui, mais c'est pas grave, je vais... Un chouillou, ouais. Je vais remordre aussi en passant. Hein. Voilà. Donc, on a pris un semoir en 6 mètres, bien évidemment, une sousseleuse en 6 mètres aussi, c'est ça, hein ? Ouais. Tout à fait. Voilà, donc du coup, ça permet d'avoir un chantier, un débit de chantier quand même qui est relativement important. Et c'est vrai qu'on aimerait quand même, voilà, comme on a dit, on vous fera des accélérés, ne vous inquiétez pas, sur les activités qu'on fait ou qu'on peut faire hors, en off, bien évidemment. Et on a voulu quand même prendre un peu de matos pour avoir un débit de chantier quand même important. C'est des champs, comme on dit, 2 hectares 90, c'est énorme. Tout à fait, je me serais pas vu recommencer avec la charrue en 2 mètres, honnêtement. C'est pour ça qu'on a fait ça. Voilà, on a un bon déchaumeur aussi, la sousseuse est pas mal, le saumon est pas mal. Et après, voilà, on investira dans le matériel en fonction d'eux, ne vous inquiétez pas les amis. Tout à fait. Ah, c'est vrai que ça va bien avec le semoir là. Ça fait un bel ensemble en plus. Bon, je suis désolé, c'est le semoir que vous voyez sur ma série Brett's Farm également, mais voilà, c'est un beau semoir. C'est un petit clin d'œil aussi à ta série et c'est agréable aussi et voilà quoi. Donc après, c'est vrai qu'au niveau des modes, bien évidemment, on préfère jouer avec certains modes. Parce qu'on les préfère, on les trouve plus jolis peut-être, ou voilà. Là, c'était vraiment c'est un joli semoir déjà, et puis en 6 mètres, on n'a pas trop,
En mode, on n'a pas trop le choix de s'y mettre, quoi. Donc, il n'y a, y a voilà. pas énorme, ou alors si, il y en a, mais qu'on est obligé de transporter en ligne, attelé, et malheureusement, ça passe pas partout, quoi. Ouais. Alors que celui-ci, on peut le transporter en ligne. Une fois qu'on a terminé, on le prend en ligne, et pour le coup, bah voilà, on a plus facile à manœuvrer. Et il prend beaucoup moins de place pour le ranger. Tout à fait. Coup. Donc, vous voyez, alors là, je vais faire un truc intelligent parce que sinon, je vais me faire gronder. Comprenez bien, les amis, là, je vais me faire abonner si je fais ça. Mais, m'oubliez pas. Tu t'arrêtes avant et tu fais la redescente, au pire. C'est ça, c'est ce que je vais faire, ouais. Hop. Eh, mais je suis obligé de te manger un peu dans le triangle, mon poteau. Vas-y. C'est pas grave. Le poteau, il est en collision, je suppose, non Je sais pas. Bonne question. Attends, je vais faire le test, on va faire un crash test, on va bien voir. Ouais, vas-y. Ah là, Wagbar. Il est en collision. Collision, allez. C'était la réponse à ma question, donc voilà. Tout à fait, ouais. Oui, il est en collision. Merci beaucoup. Alors après, voyez, comme ça, avec du matériel assez large, ça nous permet aussi de faire l'activité jusqu'au bout avec vous, et de pas la couper en plein milieu ou à la fin, voilà, et on est large en temps, voilà, pour des vidéos de 20 minutes, des avant-premières de 20 minutes, ça suffit amplement, et j'espère que ça vous plaira, donc n'hésitez pas, je le dis, je le redis, on le dit pas assez souvent, mettez un gros pouce bleu et abonnez-vous, voilà, ça fait plaisir, ça mange pas de pain, et on vous en remercie en tout cas. Et ça valorise notre travail, mine de rien. Exactement. Et je remercie d'ailleurs au passage Jean-Christophe qui a passé un petit coup de gueule dans les commentaires de ma vidéo. Justement par rapport au nombre de personnes qui regardent les vidéos et le peu de personnes qui likent en pourcentage. Donc ça donne un pourcentage quand même peu élevé. Alors et, sachez les amis râler, que là-dessus, quoi. Un like ça mange pas de pain, il suffit juste de le mettre. Et terminé, voilà, ça valorise le contenu, ça valorise le créateur, bien évidemment, le youtubeur, et ça nous fait plaisir à nous, bien sûr. C'est gratuit, ça mange pas de pain, comme on dit souvent, et ça nous valorise, bien évidemment. Voilà, après, on parle même pas de nos amis qui mettent des pouces en bas, on leur passe le bonjour et on les remercie de nous référencer. Nous référencer tout simplement. Continue à mettre des pouces rouges. Attends mon poteau, je voulais juste. Vas-y. Vu que le poteau est en collision, je vais pas aller le chatouiller. Vois-tu? Ça suffit pas comme si. Mais oh, hop là, bougez pas. Voilà. Du coup, notre petit Jérémy, donc vous aurez vu la vidéo ce matin de notre poteau Jérémy, bien sûr, voilà, qui fait une série sur cette map. Voilà, c'est pareil, hein, n'hésitez pas à aller voir si vous ne l'avez pas vu et à mettre un gros pouce bleu, comme on dit à chaque fois. Voilà, on passe le bonjour, bien sûr, à tous les modérateurs et ainsi qu'à la Farming Family. Et voilà. Tout à fait. Et il y a le poteau Eddie qui a sa série, bien sûr, sur cette map aussi. Merci. Voilà. Qui est très très belle map et très belle série du poteau Eddy et voilà, et puis nous ça nous tenait à cœur, voilà, d'être sur une map qui nous plaise à tous les deux et qui soit un petit peu plus grande que ce qu'on avait sur la Beuvejoise, parce qu'on était parti, si vous avez suivi le premier épisode, Juju qui dit tu me fais chier avec ton petit matériel, du coup je vais y prendre du matos tellement grand que là il va me dire bah, tu commences à me faire chier avec ton matos là. On va être obligé de mettre en œuvre le DLC Bourgo. Ouais, le c'est DLC ça. Dont personne se sert limite. Mais... c'est ça, le DLC qui est passé inaperçu. C'est ça. Mais bon, non, voilà. Mais en même temps, le matériel, quand tu veux l'acheter, enfin, t'as le. Du coup, t'as la remorque Trémy, donc je crois qu'il coûte 250 000. Après, t'as le semoir lui-même qui coûte 250 000 aussi. C'est inachetable, quoi. Alors, soit vous faites une série cheatée et bien évidemment, vous pouvez l'acheter et vous faire plaisir avec. Si vous partez en no cheat avec le mode saison, je peux vous dire que vous partez avec une sacrée épine dans le pied. Hein, t'es pas prêt de l'avoir en ton semoir. Hein. Je pense que tu peux ramer. Hein, même en location, t'auras pas les moyens, quoi. C'est ça, donc je sais même pas combien il vaut en location d'ailleurs, mais ceci dit... Il doit être dans les dans les 25 000 euros, hein, il me semble, hein, parce que c'est à peu près le prix d'une ensileuse en loc. Ouais. On est aux alentours de ça. Hein. Ah mais grave, hein.
Grave, grave. Donc du coup, c'est pour ça, les amis, que ah, il y a déjà la mauvaise herbe. Eh ben, on saura quoi faire dans le prochain épisode, en accéléré ou dans le prochain épisode. Du coup, on va vous montrer un petit peu. On vous a pas montré, je crois, sur le PDA, ce que avant de se quitter, hein, mon petit poteau. Je suis désolé. Ouais, ouais. Laisse-moi finir, sinon laisse-moi finir. Oh, parce que sinon j'ai des coups de lag en plus. C'est normal, c'est normal. Donc voilà, en tout cas, ouais, qu'est-ce qu'on a comme chien? On a celui-là. Bah, du coup, celui-là en deux parties, donc on a à peu près la même parcelle à côté. On a le 38 également. Ouais. On a le petit champ à côté du deuxième corps de ferme où il y a les poulets, qui est en betterave actuellement, quoi qu'elles ont été récoltées, ouais, il me semble. Ah non, elles sont toujours là. Elles sont fanées, donc... pareil, il faudra passer la sous-soleuse là-bas. On la passera, ne vous inquiétez pas. Et on a le petit 32 juste au-dessus. Là. Voilà. Donc on a pris quelques champs. Voilà. Donc au niveau argent, on est à peu près, comme on avait dit, avec Juju à 1 250 000 euros. Comme si on commençait en nouveau fermier ou je sais plus quoi. Là. Tu sais, celui du milieu, en fait. Moi, ouais. Je ne sais jamais, d'ailleurs. En gestionnaire. En gestionnaire, voilà. Gestion de ferme, donc vous avez on a vendu du matériel, on a rééquilibré les comptes, tout simplement pour que ça fasse du note sheet, voilà, avec notre matériel à nous, et voilà, tout simplement. Et bien écoutez les amis, on va pas faire plus long pour ce petit épisode. En tout cas, ben, sachez que nous, on a beaucoup de plaisir à tourner ensemble et à faire cette série ensemble avec, ouais, Juju. Voilà, et j'espère que ça vous plaira les amis, bien évidemment. Et voilà. Ah, j'étais tout enneigé sur la cam. C'est joli. C'est joli. Ouais, ça change. Ouais. C'est l'hiver qui arrive, mon poteau. Il arrive avant l'heure. Et bientôt la Toussaint en même temps. Ouais, ouais, grave. En tout cas, voilà les amis, j'espère que ça vous plaira, voilà, tout simplement, et que et voilà, on dit pas plus. On se verra bien évidemment sur le chat en écrit, puisqu'on va le mettre en avant-première. Merci mon petit Juju, encore un pur bonheur, et nous on va continuer un petit peu en off à discuter, et voilà, puis après on va faire le montage et, ouais, et, je vais finir le chant en semi surtout. Voilà, finir le chant en semi, comme ça c'est fait. voilà, et puis on se retrouvera mardi prochain pour un autre épisode, et etc. etc. les amis. Voilà, bah, écoutez, ben, quant à moi, bah, merci à tout, mon petit Juju. Quant à moi, je vous dis à très vite, et bien sûr, pour de prochaines aventures, les amis. Prenez soin de vous, les amis. Et à très bientôt. Bye bye. Ciao, ciao.